On va bientôt commencer ce webinaire co-animé par NX et Iker. On attend encore quelques minutes qu'on ait d'autres personnes connectées avec nous. Donc, allez, encore 2-3 minutes. Il y a déjà pas mal de monde. Très bien. On a aujourd'hui deux personnes qui vont être présentes. Vous avez James. Vous êtes sur un site sécurisé. Qui est une personne immédiatement. Extrêmement intéressante chez NX, un pilier. Je vous ferai une petite présentation rapide. L'idée, c'est qu'on va voir aujourd'hui trois aspects. Premièrement, une petite présentation d'NX par James. Donc, ça sera en anglais, mais il y a les visuels derrière, donc ça sera assez compréhensible. La seconde, je prendrai le relais pour une petite presse du logiciel dans son ensemble. Et ce qui va être extrêmement pertinent aujourd'hui, c'est que j'ai repris en fait trois projets qu'on a pu faire dans les mois précédents sur un site industriel, un site logistique et un CSU. Donc l'idée, c'est de voir réellement qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a été mis en œuvre et qu'est-ce qui a permis de différencier NX par rapport à d'autres VMS, des majors ou des moins connus. Et l'utilisation réelle qui est faite du produit. C'est ça qui va être assez pertinent aujourd'hui, qui va changer des webinaires un peu trop théoriques. On va être réellement dans la pratique. Allez, encore 1 minute. We wait another 2 minutes and we start the webinar. We have quite a lot of people already. Sounds good. Allez, encore 1 minute jusqu'à 12h05 et on commence. J'ai des clients qui me disent qu'ils vont pas tarder. On va les attendre et ensuite on commence ensemble. Ok, another 1 minute. Donc, comme expliqué, James va faire une petite présentation rapide de la société NX en anglais. Ensuite, je prends le relais. James, juste pour info, we do a small presentation of yourself. James, c'est une personne, c'est un pilier chez NX. Donc, il est américain. Il a travaillé en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il a développé la marque NX en Australie, Nouvelle-Zélande. Désormais, c'est dans le top 3 de chez Network, de top 3 VMS. Et il a eu pour mission, fin d'année dernière, de faire le même développement en Europe. Donc, il est basé à Barcelone. Il se déplace assez facilement sur la France. Et il est responsable, commercial pour la zone, Europe de l'Ouest. Donc, tous les pays d'Europe de l'Ouest. C'est une personne qui, techniquement, est très, très calée, qui, commercialement, connaît très bien le métier. So, James, I'll let you introduce your company and yourself. And after that, I continue in French with the full presentation. Thank you. Sounds good. Thanks, Guillaume. I'll be quick because it's in English. But yeah, so I'm the European manager for NX Witness. And the main thing about our company is we've really tried to simplify how video is accessed and speed it up and just kind of make the whole process a lot more intuitive, easier to install. And just better for everybody along the way. One of the main things we do is we pick really strong partners, like eCare, for instance, who have the ability to fully support the product and not just kind of put it on a shelf. They really they get to grips with the product. They understand it properly. They can support it properly. And we build a strong partner network, which is why we've asked eCare to do this with us today. So yeah, you'll see a lot more about the product. Guillaume will run through most of it. So thanks everybody for joining us. And if you've got any questions, just feel free to use the Q&A to ask along the way, and I'll try and answer them as they go. I'll hand it back to you. I won't do it too long, just so everyone knows what I'm saying. Guillaume. So, how about NX? Let me open something for you. Je vais commencer mon partage d'écran. Vous puissiez voir un petit peu la présentation de NX. Donc, on est sur un VMS vidéo surveillance. Donc,
logiciel de supervision. On s'approche de l'hypervision sur pas mal d'aspects. On va le voir aujourd'hui, on va le survoler, parce que je vais pas rentrer dans l'hypervision, c'est quelque chose qui est assez lourd. Mais on va survoler des interactions qu'on va pouvoir avoir avec le... On va avoir de l'interphonie aujourd'hui, on va avoir de l'intrusion. On va avoir certaines choses qui vont être assez intéressantes. Ok, parfait. Donc, allez, je commence mon partage d'écran. Écran 2, partagé. Ok. Donc, Network Optics, je vais vous ouvrir leur site que vous puissiez voir. C'est un développeur de logiciels américain, donc qui est basé en Californie, juste à côté de Los Angeles. C'est une société qui existe déjà depuis pas mal d'années. Ils ont plusieurs millions de caméras qui sont déployées à travers le monde sur leur VMS. Leur VMS s'appelle NX Witness. Donc, hop, j'ouvre ça rapidement, que vous puissiez voir. Voilà, leur site internet. On est sur un VMS qui se différencie de la concurrence sur pas mal d'aspects. Hop, je voulais juste vous ouvrir les éléments. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'un nouveau VMS? Tout simplement parce que les solutions actuelles répondent à certains besoins, mais des fois répondent tout simplement à des besoins qu'elles créent elles-mêmes. L'idée d'NX, c'est de partir à l'inverse. C'est de partir sur... Je vais vous afficher ça. Hop. Voilà. Donc, on a un triangle de qualité d'un logiciel. C'est un diagramme qui est assez connu, qui permet de savoir, en gros, comment est-ce qu'un logiciel doit être approché, quelles sont les étapes qu'un développeur doit mettre en avant de sortir un logiciel. NX, c'est clairement inspiré de ça. Je vais d'ailleurs avoir pour vous un document un peu plus complet à vous montrer derrière, dans le développement de leur logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un logiciel qui est extrêmement léger, qui est d'une légèreté qui surprend énormément d'intégrateurs, également des majors nationaux, qui reviennent vers nous en disant « Mais je ne comprends pas comment NX peut faire ça. » Tous les VMS du monde vont vous dire « Mon VMS est léger. » Oui, très bien. Mais est-ce que, par exemple, les VMS qui vous donnent cette information sont capables de faire tourner leur logiciel sur un produit extrêmement léger, comme par exemple un Raspberry? C'est extrêmement rare. On est sur des puces, les puces les plus légères du marché. Les systèmes concurrents vont vous apporter des informations sur une intuitivité du produit, mais qui n'est pas réelle. On est sur des solutions chez les concurrents qui très souvent sont complexes à mettre en œuvre, sont complexes à prendre en main par l'utilisateur. On a mis en place un POC sur une très grosse commune où on a un peu plus de 100 caméras en déploiement. On a mis un POC sur une vingtaine de caméras. Les opérateurs qui sont habitués à un des VMS qu'on voit très souvent ici, ils n'ont pas eu de formation sur NX. Ils ont pu exploiter le produit extrêmement rapidement. Donc ça sera des éléments qu'on va pouvoir voir ensemble très rapidement. Donc, le document que je voulais vous mettre en avant, c'est celui-ci. Donc, il sera un peu plus complet. On va le survoler. Sachez que tous les documents, on pourra les mettre à disposition si vous le souhaitez. Donc ça, voilà. L'idée, c'est de voir qu'un logiciel, il doit marcher sur trois strates. Déjà, les caractéristiques opérationnelles. Ça veut dire, est-ce que mon produit, il est réellement opérationnel? Est-ce qu'il va pouvoir fonctionner dans l'applicatif dont j'ai besoin? Deuxièmement, c'est les caractéristiques interne au logiciel, la manière dont fonctionne le logiciel. Donc, on a ce qu'on perçoit du logiciel et il y a ce qu'on ne perçoit pas, ce qui sont les strates inférieures, qui au final sont intimement liées au numéro 1, mais qui vont permettre au logiciel de fonctionner rapidement, de manière efficace, pouvoir répondre aux sollicitations qu'on a eues sur la première strate. Le troisième élément, c'est les aspects de transition. C'est en gros, par rapport un peu, on revient sur l'hypervision, comment mon VMS va pouvoir s'intégrer au sein d'une infrastructure existante, au sein d'un besoin qui est plus large que le simple besoin du VMS. La vidéo est quelque chose d'important, mais il ne faut pas oublier que c'est, dans une majorité de sites, une brique parmi d'autres. Alors,
Le but du jeu d'un VMS, c'est d'être une brique, mais d'être également le ciment d'une multitude de briques. D'avoir la brique intrusion, la brique GTC, la brique SSI, et d'utiliser ce système-là pour cimenter, pour fédérer l'ensemble de ces informations. Donc ça va être des points importants. Je vais les passer assez rapidement. Par rapport aux caractéristiques opérationnelles, on va vérifier que le VMS répond à toutes les spécificités du marché. On va vérifier que le VMS soit ce qu'on appelle user-friendly. Ça veut dire, est-ce que, concrètement, vous savez tous vous servir de Google, parce que Google est simple. Vous savez tous vous servir de certains logiciels, parce qu'il y a une intuitivité autour de ça. Est-ce qu'on va être là-dedans avec votre VMS? L'intégrité du logiciel, ça, c'est quelque chose qui est problématique avec les gros VMS. C'est, est-ce que le déploiement de ce logiciel-là va avoir des impacts sur les logiciels autour ou sur le matériel? Donc concrètement, c'est pour faire marcher mon VMS, est-ce que j'ai besoin d'installer d'autres aspects ou est-ce que je vais avoir des interactions négatives sur d'autres aspects? Est-ce que je vais devoir installer des plugins? Est-ce que je vais devoir installer des pare-feux, des choses spécifiques, ou est-ce que nativement il sera fonctionnel? Là, ce qu'on appelle la reliability, c'est le est-ce que mon produit sera fiable? Est-ce que je peux me reposer dessus? Est-ce que je risque d'avoir des problèmes dessus ou pas? L'efficacité du produit dans sa capacité à stocker les données et dans sa capacité à répondre rapidement à des commandes. Le but du jeu, c'est j'envoie une commande, est-ce qu'il va être en mesure d'y répondre rapidement? Les aspects de sécurité. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les strates. On va le voir, il y a des choses qui sont assez intéressantes, mais je vais en parler au fur et à mesure de la démo. Vous avez quelque chose d'un peu plus vivant. Efficiency, sécurité, voilà. Est-ce que mon produit, sur la partie revision, est-ce que mon produit va être modulaire? Est-ce qu'il va être scalable? Donc, est-ce qu'il va pouvoir être étendu? Est-ce qu'il va pouvoir être flexible, s'adapter à un temps présent ou dans le futur à des besoins changeants? Est-ce qu'il peut être amélioré dans la partie plutôt fonctionnalité? Est-ce qu'il est simple à maintenir pour n'importe qui, un utilisateur lambda ou un utilisateur avancé? Les deux doivent pouvoir trouver leur compte. Est-ce que le produit doit être testable? Tout ça, tout ce que je vous cite, c'est pas propre à NX, c'est propre à n'importe quel logiciel. Et on va voir qu'NX, ça fait partie de leur ADN, ils ont construit tout leur VMS autour de ces aspects-là. À nouveau, je vous l'enverrai, ce document, s'il y a besoin, il n'y a aucun souci. Vous pourrez voir sur chacun des aspects en quoi NX répond à ce besoin et en quoi les autres VMS y répondent partiellement ou n'y répondent pas, ou répondent des fois à côté de ce qu'on leur demande. Enfin, c'est la partie transition du produit. Est-ce que le produit est interopérable? Est-ce qu'il va pouvoir marcher avec d'autres systèmes et échanger des informations? Le faire facilement ou de manière compliquée, le faire gratuitement ou de manière payante. Est-ce que le produit va pouvoir être réutilisable? Et est-ce qu'il y aura une portabilité du produit? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser sur d'autres aspects? Voilà, je ne rentre pas dans les détails précis, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. N'oubliez pas, comme le disait James, si vous avez des questions et des réponses, vous pouvez utiliser soit le chat, soit le Q&A pour poser vos questions, on y répondra en live. Un aperçu rapide, NX, qu'est-ce que c'est? C'est un VMS, déjà sur la partie serveur. Je pense qu'on sait tous comment fonctionne un système VMS. On a un serveur sur lequel on a un logiciel embarqué qui va capter les données vidéo et qui va pouvoir capter des données tierces. Le serveur, on va installer le logiciel dessus, il va stocker les données. Il va nous permettre après, depuis des clients, ça va être des clients fixes sur un ordinateur PC, Mac, Linux ou mobile depuis un téléphone, de se connecter pour récupérer des données ou interagir avec le système. Là où NX va se différencier, c'est déjà sur cette partie-là. Sur la partie serveur, on est sur des serveurs qui vont marcher en Windows. Très bien. On est sur des serveurs qui vont marcher sur du Ubuntu en Linux. Beaucoup mieux. Et on est sur des systèmes qui ont une légèreté telles qui vont pouvoir fonctionner sur ce qu'on appelle de l'ARM, du Debian. C'est des versions ultra light de Linux qui vont pouvoir nous permettre de faire des systèmes embarqués. Vous avez un système sur un bus, on va pouvoir utiliser un système Debian. Vous avez une borne nomade, on va utiliser un système Debian qui vont être beaucoup plus légers, beaucoup plus fiables dans le temps. Ça, c'est des éléments de différenciation forts. Mon serveur va pouvoir tourner sur une multitude de machines. À nouveau, une machine Windows, ça impose
des problématiques de pare-feu, de protection antivirus, de piratage, de coûts, de licences qui sont complexes d'installation. À savoir, un élément fort de NX, c'est que l'installation de NX pèse à peu près 150 mégaoctets. C'est quelque chose dont on l'a fait avec un client qui prend environ 5 minutes. Ça veut dire que pour déployer NX sur un serveur, il ne vous faut pas plus de 5 minutes, montre en main, pour le déployer. Là, vous prenez n'importe quel VMS major, il va vous falloir installer, télécharger un fichier qui fera plusieurs gigaoctets, installer des fichiers, des drivers, des choses comme ça, une librairie MySQL et compagnie. Là, on a un package d'installation qui s'installe en 5 minutes. Au niveau des postes d'exploitation, quelque chose d'extrêmement important, on va pouvoir marcher sur Windows, on va avoir des clients Windows, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va avoir des clients Linux, ça veut dire qu'on va pouvoir tourner directement sur Ubuntu, et on a également un client Mac. L'intégralité de ces clients ont la même interface, ont les mêmes fonctionnalités, je n'ai pas de limitation. À nouveau, en termes d'interface et de limitation, j'ai une seule interface chez NX, on va l'avoir après, que je sois sur de l'administration, que je sois sur de l'exploitation, que je sois sur n'importe quel type d'OS, j'aurai la même interface. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus simple en termes de formation, en termes de déploiement, que ce soit au niveau de l'utilisateur ou au niveau de l'administrateur. J'ai un système de cloud qui est plutôt bien fait. On est sur un cloud qui permet en fait de partager des accès. Encore faut-il que le système soit connecté. C'est vrai que sur les infras, avec des éléments de sûreté importants, on n'est pas sur des sites connectés. Si c'est le cas, on a un système de cloud qui est très intelligent. On va pouvoir partager des données, fusionner des données. Si vous avez du multisite, par exemple, une cinquantaine de sites que vous voulez voir sur un seul site, on va utiliser le système de cloud. Le cloud ne partage pas seulement les sites, il partage aussi les utilisateurs, il partage les vues, il partage pas mal de choses. Donc, c'est assez intéressant la manière dont il est tourné. Encore faut-il à nouveau que le système soit connecté, où on peut passer éventuellement à travers un VPN. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est l'aperçu, le système du serveur. On est sur un système extrêmement léger. Concrètement, je vais vous montrer un document qu'on utilise très fréquemment. C'est celui-ci, pour vous prouver la légèreté du système. Voilà. Aujourd'hui, les recommandations et la réalité des faits font que pour faire tourner par exemple un système avec entre 33 et 64 caméras 2 millions de pixels, je suis capable sur NX de le faire tourner sur une machine i3, sur un processeur i3, c'est-à-dire une machine plutôt légère. C'est une chose qui est extrêmement compliquée à faire. Avec 8 Go de RAM, donc c'est une machine assez légère, on va pouvoir le faire tourner dessus. Un élément qui va être intéressant, ici vous avez les releases sur lesquelles on fonctionne, c'est que nativement NX est multisite, multiserveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 50 caméras sur 50 serveurs différents, donc 50 fois une installation d'une caméra, vous avez uniquement à acheter 50 licences caméra. Il n'y a pas de plus-value pour avoir un serveur. Dans le même sens, il n'y a pas de plus-value en termes de clients. Ça veut dire que vous pouvez vous connecter avec 10, 20, 50, 100 clients sans qu'il y ait une plus-value financière à prévoir. Ce multiserveur est au cœur de l'élément, d'un des éléments les plus séduisants chez NX. C'est qu'à partir du moment où je suis multiserveur nativement, je vais pouvoir déployer des infras qui vont être extrêmement pertinentes. Aujourd'hui, vous déployez une infra sur un site avec 120 caméras, vous allez dimensionner un gros serveur, un Dell, un HP, qui va gérer ces 120 caméras, ça va être un système assez lourd. Nous, on va peut-être vous orienter vers un déploiement de 3, 4, 5 serveurs de taille plus modeste, avec des configurations, on l'a vu, qui sont assez légères. Il n'y aura pas de surcoût pour vous en termes de licence, c'est intégré de base. Et ce qui va y avoir d'extrêmement pertinent, c'est que de base, vous aurez le failover qui sera intégré. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je déploie 5 serveurs pour gérer par exemple vos 100 caméras. Vous avez une défaillance sur un serveur, ça peut être une défaillance réseau, hardware, une défaillance électrique, différentes défaillances. Automatiquement, les flux de ce serveur vont être envoyés vers les 4 autres serveurs. Et ça, c'est intégré nativement. À nouveau, je n'ai pas de surcoût, je n'ai pas de configuration complexe. Je vais vous le montrer rapidement tout à l'heure. C'est un des éléments qui nous a permis
d'avoir ce projet au niveau du CSU que je vais vous montrer concret, c'était un point important, la capacité d'avoir du failover natif. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur le fonctionnement du serveur. Donc là, ce que je vous disais, c'est que nativement, mon système est multisite. Donc là, je vois que j'ai 3 serveurs qui font tourner mon système au niveau de notre bureau. J'ai un PC en i7, j'ai un petit Raspberry qui fait tourner des caméras, j'ai un autre serveur qui, volontairement, on l'a coupé. Pour vous montrer à quelle vitesse je transfère des flux, imaginons cette caméra ici qui s'appelle Bureau Loïc. Je veux qu'elle soit désormais gérée par le serveur Raspberry. Je vais simplement un glisser-déposer. Et désormais, la caméra va être gérée par le serveur Raspberry. Ça y est, j'ai eu une coupure d'enregistrement d'environ 2 secondes. Donc, c'est infime. À nouveau, si je débranche électriquement le Raspberry, automatiquement, les 4 caméras qui sont ici vont être basculées vers ce serveur-là. Il y aura un temps de latence entre 30 et 90 secondes entre le moment où je coupe le courant au niveau du Raspberry et le moment où elles sont effectivement affichées et enregistrées sur ce second serveur. Comment ça se paramètre? Très simplement, paramètre serveur. Est-ce que j'autorise ou pas le basculement? Combien de caméras maximum ce serveur peut gérer? Le but, ce n'est pas de mettre à genoux le serveur. Et de gérer des priorités de basculement, de dire voilà, cette caméra-là, elle a une priorité haute, elle est stratégique, donc elle va être basculée en priorité. Et les caméras qui ont des priorités basses ne vont pas être basculées. Allez, en termes d'interface, un point important, comment ça fonctionne? L'ergonomie produit, c'est très simple. Je veux une caméra, je la fais glisser. Je veux la mettre en grand, j'appuie une fois. Je veux la mettre en très grand, j'appuie deux fois. C'est interactif. Je veux zoomer, j'utilise ma molette. Je vais pouvoir zoomer dans l'image directement sur mon quad. Je n'ai même pas besoin de le mettre en plein écran. Je dézoome avec ma molette. C'est pareil. C'est extrêmement simple. Ici, voilà, j'ai ma molette, je zoome, je dézoome. Extrêmement intuitif sur la partie directe. Je peux mettre des caméras en plus grand si je le souhaite. J'ai juste ici à l'afficher. Je mets ma caméra, je fais mes mosaïques. Bien sûr, on peut le verrouiller suivant l'utilisateur, mais c'est un régal à exploiter. Je veux basculer 4 caméras, je fais ça, je les bascule. C'est ultra rapide. À nouveau, voilà, je peux étendre des affichages, je peux faire pas mal de choses. Ça, en termes d'utilisation, c'est un régal, rien qu'au niveau du live. Bien sûr, j'ai des vues toutes faites aussi qui sont dispo. Je peux appeler une vue toute faite qui va s'appeler portail. J'appelle une vue portail, voilà, qui m'appelle une caméra multicapteur et 2 autres caméras. Donc, soit je travaille sur l'appel de caméra, soit je travaille sur l'appel de vue. En termes d'utilisation, c'est redoutable. Même système, hein, sur la partie IMAP. Et j'ai un IMAP qui est assez sympa parce que, donc là, je suis en mode modification, hein. Je peux placer des caméras sur le IMAP et le IMAP est interactif. C'est-à-dire que je peux zoomer dans l'image. J'ai accès à ma caméra directement. À nouveau, hein, avec un clic, je le mets en moyen et 2 clics, je le mets en grand. C'est extrêmement rapide. Vous voyez cette interface, cette ergonomie. Pour un opérateur, c'est difficile de faire plus réactif et plus intuitif. Ce que je vais avoir d'extrêmement intéressant, donc je ne rentre pas encore dans l'étude de cas, parce que là, je suis encore sur la partie généraliste. Je termine juste un ou deux aspects pour vous montrer sur la manière de faire une relecture. C'est d'une simplicité déconcertante. Ici, j'ai une barre de temps en bas. Donc, vous voyez, mois de juin. Donc, du 1er juin au 19, où je peux me déplacer, bien sûr, hein, à nouveau, si je le souhaite. Je vais voir ce qui s'est passé le 16 juin à midi. J'ai juste à cliquer. Et là, je vois ce qui se passe le 16 juin à midi. Donc, 16 juin, 11h55. C'est extrêmement rapide. Il me suffit de cliquer ici et j'ai un aperçu également. J'ai un petit aperçu. Je peux l'agrandir, hein, si je souhaite avoir des aperçus plus grands. C'est extrêmement rapide. Voilà, je vais voir ce qui s'est passé. Bon, là, je suis sur le week-end, donc c'est pas judicieux. Voilà, je peux très facilement voir ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Je peux avoir accès à un calendrier, bien sûr. Je veux voir le 10 à 14h. Et j'aurai les relectures à 14h, ce qui s'est passé le 10 à 14h. Voilà. Ça, c'est un régal.
je reviens dans le live, très simplement. Maintenant, la WNX a une rapidité qui est tout à fait bluffante, qui est due à la manière de fonctionner de leur système. En fait, on gère du double flux, on gère à la fois un flux principal et un flux dégradé. Vous allez voir à quoi ça va me servir. Et on gère un système d'archives qui est extrêmement pertinent. Je prends une caméra, celle-ci, ou j'en ai une qui est un peu plus sympa, vous allez voir. Je vais me mettre sur une caméra. Qu'est-ce que je vais avoir sur mon shuttle? C'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est assez marrante à voir. Voilà. Imaginons que je veux voir les mouvements, mais uniquement sur une zone. Je clique ici, je sélectionne ma zone, je relâche. Et j'ai mes résultats immédiatement. C'est du temps ultra réel. Je vais vous le refaire ici. Je relâche, j'ai mes résultats. C'est même pas une seconde, c'est même pas un dixième de seconde, on est en centième de seconde. Ici, j'ai cliqué, maintenant j'appuie ici, je vais voir à chaque fois qu'un véhicule est passé. Automatiquement, la caméra va passer au prochain véhicule qui est passé, dans l'autre sens. Vous avez une rapidité d'utilisation qui est déconcertante. C'est extrêmement rapide. Ici, j'ai les tags, je vois que j'ai eu... Donc si je le refais ici au niveau des piétons, là, j'ai, chaque fois que j'ai un piéton qui est passé, je vais pouvoir le voir. Vous voyez la vitesse où ça va. C'est assez bluffant. Ici, je peux, à chaque fois, j'ai les zones. Donc là, j'en ai une autre un peu après 8h40. Ça va automatiquement passer à la zone d'après. Si je veux mettre, j'ai juste à double-cliquer pour l'afficher, c'est terminé. Donc, c'est cette relecture dans l'image, elle est d'une pertinence extrême et elle peut s'adapter à tous les sites, qu'on soit sur de l'indus, sur de l'urbain, sur pas mal de choses, sur du tertiaire. À savoir que j'y ai accès directement sur le quad. Hein. Donc, j'encadre ici. Ici, j'ai les mouvements de toutes les personnes qui sont passées à ce niveau-là. Je veux le relancer sur la caméra qui est dans mon bureau. Bon, sauf que je l'ai mis sur moi, donc c'est pas judicieux. Voilà, je vais avoir toutes les personnes qui sont entrées dans mon bureau. C'est immédiat. Tout ça grâce à un système intelligent de double flux et d'archivage qu'on peut attaquer extrêmement rapidement. Un point qui va être important, mais on va le revoir après, c'est le système chez NX de filtre. Comment ça fonctionne? Vous allez voir, je prends une caméra. Ici, j'ai un filtre en haut. Vous voyez, je recherche les mouvements. Jusque-là, c'est normal. Je recherche les mouvements, OK. Je recherche les mouvements sur la caméra sélectionnée, OK. Je recherche les mouvements dans la zone sélectionnée, OK. Et je recherche les mouvements... Par exemple, je suis où là? Je cherche les mouvements qui ont eu lieu. Alors, on va dézoomer à fond. Je cherche les mouvements qui ont eu lieu entre le 4 et le 5. Et j'aurai les. Donc, j'ai mouvement sur la caméra sélectionnée, dans la zone sélectionnée, sur la chronologie sélectionnée. À nouveau, donc là, je remonte assez loin. Je suis sur début juin. J'ai bien les résultats qui ressortent immédiatement. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et ça, imaginez un applicatif CSU où je veux voir les mouvements sur une zone sélectionnée, sur une durée sélectionnée, j'ai les résultats instantanément. Voilà. Je vais vous montrer maintenant nos trois cas d'école qu'on a pu faire. Alors, on a changé les noms, Monsieur Dupont, Monsieur Durand. Pour des raisons de confidentialité, on ne pouvait pas avoir les noms. Je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Alors, on va se mettre, hop, pour avoir ma caméra en live. Très bien. Voilà. On a fait un applicatif sur une PME industrielle où on a eu trois aspects. Le premier aspect, ça a été une notion d'interphonie. Je vais voir comment on a pu lier l'interphonie avec notre système. La deuxième, c'est qu'on a dû faire une détection d'intrusion périmétrique. À nouveau, tout est directement sur NX. Je ne vais pas vous montrer autre chose que NX aujourd'hui. Vous allez voir, on ne va pas bouger de cette page-là. Troisième chose, c'est qu'on avait un client qui était pas du tout à l'aise avec la... genre pas du tout à l'aise et qui a pu être à l'aise grâce au produit, la simplicité et grâce à un système que je vais vous montrer à la fin. Donc, aujourd'hui, en interphonie, comment ça va marcher? Alors, je suis un peu tout seul au bureau, mais je vais simuler. Imaginons que quelqu'un appuie sur le bouton de l'interphone. Ce que la personne souhaitait, c'était qu'on crée
on va le voir, un bookmark. Donc, ça veut dire qu'on va créer un signé. Ça veut dire qu'on va avoir une capture d'écran qui sera enregistrée avec un nom. On va voir comment on le recherche. Le client demandait à ce qu'on ait un PTZ qui se positionne. Le client a demandé que si on était en dehors des horaires d'ouverture, on envoie un email au gérant et qu'on lise sur un haut-parleur IP un message informant des horaires, des horaires d'ouverture du site. Je pense qu'on a tous en tête des idées de sites qui seraient susceptibles d'être installés comme ça. A contrario, si on est sur les horaires d'ouverture, on appelle en full screen une caméra concernée. Donc là, on va voir qu'on appelle le PTZ. Ce qui l'intéressait, c'était de voir la caméra PTZ qui vient se positionner. Directement depuis le logiciel, je vais pouvoir parler avec la personne et écouter. Je vais avoir un bouton sur lequel je vais appuyer et qui va permettre d'ouvrir la porte et qui va donc activer une sortie relais et qui va en plus envoyer un son PMR qui va dire « la porte est ouverte ». Tout ça directement par NX. Allez, c'est parti, je vous montre. La personne appuie. Donc, mon bouton est là. Mon PTZ s'est positionné. Je suis sur les horaires d'ouverture en journée. Ici, je vais pouvoir parler. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, ben c'est un livreur, je souhaiterais vous déposer un colis. D'accord, très bien, je vous ouvre. J'appuie sur ce bouton. Vous voyez qu'il est présent directement dans la caméra. Le portail est ouvert. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a le haut-parleur IP qui me dit, voilà, le portail est ouvert et j'ai envoyé le contact. Qui plus est, si je vais maintenant dans les signés, j'ai une sonification, un signé qui s'appelle interphone ici et qui me permet de savoir qu'il y a une personne qui a appuyé sur l'interphone. Et à nouveau ici, je vais revenir sur le live, ici en tapant interphone, je vais avoir toutes les fois où une personne a cliqué sur l'interphone, que ce soit pendant ou en dehors des horaires d'ouverture. Donc voilà, vous avez un projet extrêmement concret. Là, j'avais juste une personne qui appuie. Ça m'ouvre volontairement une page à part, on le voit ici. Ça zoom, ça me permet de parler avec la personne, ça me permet d'ouvrir la porte. Très simplement, tout ça avec une seule et unique interface. La partie intrusion. Donc ça, on a un algo d'analyse qui tourne derrière. Donc ça, on est sur une société tierce qu'on a ici. Je vais vous l'ouvrir là. Voilà. Donc si j'ai quelqu'un qui rentre dans la zone, j'ai une information qui est envoyée à NX. C'est ce que le client souhaitait. Uniquement sur planning, hein. Je ne veux pas être embêté la journée, mais uniquement la nuit. Je vais positionner un PTZ. Donc s'il y a une personne qui rentre dans la zone, je positionne un PTZ. J'envoie un message sonore en dehors des heures d'ouverture. Site sécurisé, merci, sortez immédiatement. Et la personne va sortir, va avoir l'info. Et à nouveau, je vais créer un bookmark. Le bookmark va s'appeler parking. Voilà, donc là, voilà, j'ai une personne qui a déclenché mon analytique. Donc je l'ai laissé sur la journée involontairement. J'ai le PTZ qui s'est positionné. Et tout ça à nouveau dans NX. Je ne suis pas allé sur une interface tiers. J'ai tout fait par NX. Donc, pour l'opérateur, s'il n'est pas à l'aise, il retrouve tout directement ici. Donc ici, il retrouve toutes les intrusions sur le parking simplement en tapant « parking ». Voilà. Donc là, si quelqu'un va sur place, automatiquement, tout se fait. Il n'y a rien à faire pour l'opérateur. Le dernier point, on était sur quelqu'un qui n'était pas du tout à l'aise. Alors, pour répondre à la question de Marc Pichot, contact sec in-out alarme. Alors, on gère tout. On gère les boîtiers in-out, que ce soit chez Advantech ou que ce soit chez Axis. Ils sont intégrés nativement. On gère également de l'API et on gère également des alarmes en TCP, en notification HTTP. Donc, la réponse sur les trois aspects, on peut le faire. Là, nous, on joue assez rapidement et très simplement, c'est sur les contacts d'alarme des caméras. Directement aussi. Ça veut dire que si vous avez un capteur, un bouton, n'importe quoi qui est à proximité d'une caméra, on le raccorde à la caméra et on récupère l'info. Voilà. Mais on peut récupérer des boîtiers ADAN, on peut récupérer aussi des informations HTTP et on peut faire de l'intégration API. Ce qu'on a fait pour ce client, vous allez voir, qui est plutôt sympa, c'est que nativement, on a la possibilité d'avoir des pages web. Quand je vous dis qu'il était mauvais, il était très mauvais. Qu'est-ce que je fais? Ok. Tutoriel relecture sur mouvement. Je double-clique. Vous allez voir. Automatiquement,
Voilà, automatiquement, ça renvoie vers un tutoriel qui lui explique comment utiliser le système. C'est simple, efficace. On a des tutos pour pas mal de choses. Donc la personne, elle a juste à double-cliquer et ça lui explique comment est-ce que je fais une relecture dans l'image. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Voilà. C'est directement intégré, hein, c'est une page web au milieu du reste. Donc on va voir que ces éléments de page web, on s'en sert pour autre chose. Sur le projet CSU, on a eu un problème, c'est qu'on n'avait pas de lien vers l'extérieur, donc forcément les liens vers YouTube ne marchaient pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé directement des fichiers. Alors là, je l'ai. On va mettre ça. On peut charger directement des fichiers. Voilà, des fichiers vidéo qui seront à ce moment-là sur le poste d'exploitation. Et la vidéo tutoriel ou autre, on peut la récupérer directement ici. Voilà. Donc ça, c'était notre applicatif pour Monsieur Dupont. Sur un site industriel qu'on a fait, c'était dans le nord de la France. On a un autre applicatif qu'on a réalisé. Alors ça, c'est tout récent. C'est sur un centre logistique sur les zones de préparation de colis en mode Covid. On avait deux aspects. Il y a un autre aspect, mais ça, on l'avait déjà mis avant. Premier aspect, c'est un aspect comment ça s'appelle ? Ouverture de portail, ouverture de barrière sur système ANPR, lecture de plaques. Le système fonctionne avec des logiciels d'analyse de plaques d'immatriculation qui vont en fait au final fonctionner sur le même système que le signé. Ils vont m'envoyer une trame en me disant j'ai vu une plaque et automatiquement m'envoyer l'information de la plaque. Donc ici, j'aurai au lieu d'interphone, j'aurai AB123CD. À partir de là, dans NX, j'ai simplement à taper AA123BC. Bon, là, je ne l'ai pas activé pour le coup. Et automatiquement, chaque fois qu'il y a AA123BC qui est passé, j'aurai la capture d'écran. Et à nouveau, avec une chronologie particulière, sur les derniers jours, les 7 jours, ou alors sur une strate prédéfinie. Donc ça, ça a été déployé il y a un moment chez eux, ça marche super bien, et qui plus est, bien sûr, le patron, enfin certaines personnes de la direction, ils ont leur plaque enregistrée. Donc, dès qu'ils se présentent devant le portail, j'ai le système qui s'ouvre. Donc l'OCR plaque, non, NX, c'est une de leurs forces. L'analytique, il fonctionne exclusivement avec des sociétés tierces pour justement ne pas avoir de conflit d'intérêts. Donc ça veut dire que leur solution aujourd'hui, elle est extrêmement ouverte. Pour les plus courageux, en fin de webinaire, si vous voulez, je vous montrerai tous les logiciels avec lesquels ils travaillent. Ça va de l'analytique au médical, au départ de feu, en thermique ou en fumée, à pas mal de choses. Donc ils travaillent avec énormément de monde. Voilà pour ça. Ce qu'on a mis en place, donc ça c'est un peu plus récent, ça a été mis en place il y a un mois, c'est qu'on a mis en place un système de distanciation sociale pour eux. Alors comment ça marche? C'est assez simple. J'ai un algorithme que j'ai défini où je dis quand j'ai plus de deux personnes dans une zone prédéfinie que vous voyez à l'écran, je crée un signet. Donc automatiquement ici à nouveau un signet que je vais pouvoir retrouver. Donc là j'en ai d'ailleurs, hop, ils sont passés, bon, on va les chercher, mais voilà, là ici j'en ai, qui me dit attention, il y a eu plus de deux personnes dans la zone. Et j'ai un son qui est joué, c'est-à-dire j'ai un HP, alors cette fois-ci c'est pas un HP IP, c'est un haut-parleur qu'on a branché directement sur la caméra, puisqu'on a beaucoup de caméras qui ont directement des sorties HP. On a mis un HP standard qu'on a branché sur la sortie audio de la caméra et qui diffuse un message sonore qui dit « trop de personnes dans la zone, merci de vous éloigner ». Donc ça, c'est extrêmement simple. On est sur un algo, sur un petit serveur ici qu'on a où on a quatre analytiques qui tournent. Je vous en montrerai d'autres derrière. Donc là, j'en ai un. Ah bah oui, forcément. Donc là, voilà, j'ai eu trois personnes. Hop. Voilà, on le voit, il est assez loin. Une personne, deux personnes et la troisième personne qui est ici. Donc là, ça a été dépassé. Donc j'ai un message audio qui a été diffusé. Je ne sais pas s'il y a un endroit où on les verra un peu mieux. Ah, si, là. Alors, on peut chercher. Il s'appelle OQ. Alors, je ne l'ai pas traduit pour le coup. Occupancy. Donc là, j'ai toutes les fois où ça a été dépassé. Ici, voilà. Je vois que là, j'ai trois personnes
Nombre de personnes, 3. Dépassement max, 2. J'en ai eu 39 dans la journée. Donc ça, c'est extrêmement simple. À nouveau, ce qui est extrêmement pertinent, c'est que je suis toujours dans la même interface depuis tout à l'heure. Ça n'a pas changé. Donc voilà, ça vous donne un aperçu de ce qu'on est capable de faire. Et ça, ça a été réellement déployé. On est vraiment, on n'est pas dans le fictif, on est clairement dans le réel. Donc bon, là, j'ai pas mal de monde. Hop, ici, voilà. Voilà, là, j'ai toujours mes 3 personnes. Voilà, clac, ça a déclenché. C'est extrêmement efficace et déployable dès à présent si besoin est. Donc ça, on était sur le centre logistique. L'utilisation après qu'est faite, hein, c'est du standard, la relecture, etc., avec un client satisfait. On passe sur le site CSU qu'on a pu sortir il y a pas longtemps. Alors, moi, il y a des choses qui sont un peu plus simples. On avait de la borne escamotable à gérer. Ce qu'il y a d'intéressant chez NX, c'est que les sorties relais, que ce soit des boîtiers Anamtec, Axis, les sorties relais des caméras ou l'intégration HTTP, sont directement contrôlables par ce bouton qui est ici. Donc tout à l'heure, vous avez vu ouverture portillon. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est que sur les bornes, sur la caméra qui filme les bornes, on a directement intégré un bouton. C'est-à-dire que l'opérateur, quand il est au niveau de la borne, qui voit le véhicule, il n'a pas besoin de sortir de la caméra, il a juste à appuyer sur ce bouton. Autre chose qui est extrêmement intéressante, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais on va le revoir, vous allez voir, c'est que, est-ce que j'en ai des boutons? Bon, c'est pas grave. Si, là, j'en ai un. Voilà. Les boutons qu'on a sont directement accessibles par le IMAP aussi. C'est-à-dire que directement sur mon IMAP, j'ai une notif, je clique, ici, j'ai le bouton, je peux ouvrir directement la borne escamotable. En fait, les opérateurs n'avaient pas besoin de sortir de leur vue prédéfinie pour gérer les barrières. Et à nouveau, pour ce projet CSU, dès qu'on a un opérateur qui ouvre une barrière, on a généré un bookmark ici. À nouveau, tous les opérateurs, je peux vous montrer en 2 secondes, hein, c'est comment. Donc là, vous voyez que j'en ai déjà, j'ai 3 boutons virtuels. Je vais vous montrer comment on en crée un. Ça vous permettra de voir à quel point ça va vite. En icône, on va mettre un pouce en l'air. Déclencheur, borne escamotable. Qu'est-ce que cette borne, elle fait? Donc nous, on va dire qu'elle fait claquer une sortie caméra. Si on a une caméra qui est à proximité, assez souvent. Et hop, celle-ci, au hasard. Quelle sortie? La une ou la... Donc ça, c'est la une. Sur quelle caméra je l'affiche? Je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle-ci, non. Bien sûr, je ne la trouve plus. Bon, c'est pas grave, on se calait sur une au hasard. Hop, sur celle-là. OK. Appliquer. Non. Donc là, voilà. Bien sûr, vous pouvez choisir qui sont les usagers qui vont y avoir droit. Donc là, j'ai des usagers. Donc je vais dire, voilà, moi, il n'y a que Monsieur Auriès de Iker et Monsieur Cox de James. Et Guillaume, donc moi-même, qui avons accès, les autres n'y ont pas accès. J'applique, je retourne voir ma caméra, donc c'est celle-ci. Là, j'ai mon bouton, voilà, borne escamotable. J'appuie, ma borne est ouverte. Ça, je peux gérer des droits et vous voyez à quelle vitesse ça va pour l'activer. Ce qui a intéressé le CSU tout à l'heure, j'en parlais, c'est qu'on a été on a été capable de leur mettre en place un système de failover nativement avec le prix de licence. Ça veut dire que les personnes ont aujourd'hui, je crois qu'ils ont 3 serveurs avec du failover automatisé, ce qui fait que s'il y a un défaut sur un des serveurs, parce qu'on a des serveurs qui sont déportés en fait sur ce projet urbain, tout n'est pas au niveau du CSU, on a des serveurs qui sont déportés et qui après sont rapatriés avec des flux herdiens. Donc il y avait, voilà, ce qui a été fait, c'est cette possibilité de failover automatique où s'il y a le moindre défaut, tout remonte. Voilà, les flux vidéo sont basculés automatiquement vers les autres serveurs sans qu'il n'y ait rien besoin de faire. On a un temps de swap, de bascule qui est extrêmement rapide et ça permet d'avoir quelque chose de pertinent pour ce projet.
On a sorti pour eux aussi, ça a été demandé, des bornes nomades. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Mais on a pu mettre en place des bornes nomades ultra légères. C'est du matos industriel. On est sur du moins 40, plus 70 degrés. On est sur des bases Linux. Donc c'est ultra léger. En termes de coût, c'est parfaitement adapté. On a une puce 4G et on a un backup Wi-Fi en bas de mât. Donc ça a été déployé extrêmement rapidement. En termes de coût, chez les concurrents, si vous déployez ça, vous devez souvent prévoir une licence serveur, une licence spécifique, une licence caméra, une licence machin. Bah là, il y a juste une licence caméra et rien d'autre. Sur une des deux bornes, on a de l'analytique en plus qui pousse des données vers le poste client s'il y a un analytique particulier qui est détecté. On est sur du maraudage en fait pour du dépôt d'ordures. Donc ordures sauvages. Donc s'il y a quelqu'un qui vient faire un dépôt sauvage qui reste plus de X temps dans la zone, on envoie une alerte au PC de sécurité où ça fait un full screen sur un flux dégradé. C'est simple, c'est opérationnel de suite. Et à nouveau, vous avez une seule licence à prévoir. Ce qui a été mis en place aussi par l'intégrateur, donc ça c'est pas nous, c'est directement l'intégrateur, c'est un national, c'est qu'ils leur ont mis en place l'ouverture de tickets en ligne. Donc je l'ouvre plutôt sur une nouvelle page, où directement par NX, ils ont la possibilité d'ouvrir un ticket. Donc Guillaume Attiker. Directement dans NX, ils n'ont pas besoin d'aller sur la page web de l'intégrateur. Ils peuvent directement ouvrir un ticket ici. Alors, ils avaient une ouverture de ticket spécifique qui était dédiée. Mais ici, voilà, problème réseau, j'en sais rien. Voilà. Et ici, hop, ils peuvent envoyer un fichier, ils peuvent envoyer le doc directement. Donc ça a été un élément qui a été mis en place et qui a pas mal séduit le client, qui a permis de faire la différence à nouveau par rapport à d'autres. Ça, à nouveau, c'est natif, c'est pas un plugin. Born Nomad, ah ça. Ça, c'est un truc qui plaît bien au CSU. Quand ils travaillent dans l'urgence, qu'ils ont besoin de... Alors, je vais essayer de trouver une caméra qui est parlante. J'ai quoi comme caméra? Celle-ci. Allez, hop. Non. Ça s'appelle la fonction Rapid Review. Donc ça, imaginons une manifestation. On a besoin d'exporter les données, mais très, très vite. On a besoin d'exporter une heure de vidéo du 5 millions de pixels et il faut l'exporter en moins de 2 minutes. Voilà. En gros, dites-moi comment vous faites avec un VMS classique pour exporter plusieurs gigaoctets de données, donc même en USB 3, en ce que vous voulez, ça sera extrêmement compliqué à faire. Avec NX, on va pouvoir le faire grâce à la fonction Rapid Review. On va perdre des données, forcément, parce qu'on ne peut pas gagner partout, mais vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais prendre une caméra, parking, très bien. Hop. Alors, on va dézoomer, ça me permet de voir tout ça. Voilà, très bien. Donc là, je suis sur le mois de juin, parfait. Ici, pour info, là, j'ai mes signets qui s'affichent aussi. Ça permet de voir à quel moment j'ai eu des signets d'intrusion ou autre. Là, j'ai quelque chose qui m'intéresse. Très bien. Apparemment, j'avais du mouvement, donc parfait. Donc, c'était le 18, c'était hier. OK. Maintenant, je veux faire un export d'une heure. Très bien. Je fais ça. 17h, 18h. Clic droit, exporter vidéo. OK. Exporter vidéo. Là, je suis en export classique. Bien sûr, je peux faire un export spécifique avec un fichier propriétaire pour être conforme à la loi Sarkozy, enfin la loi d'août 2007, avec le player exporté qui va bien avec, etc. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, je peux exporter en fichier standard MP4 si le client n'est pas regardant sur la qualité de l'export, si c'est juste du temporaire, pas de souci. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est du rapid review. Donc, revise rapide en français. J'ai une vidéo qui fait une heure et je vais la condenser sur une vidéo qui devra faire une minute. OK. On va l'exporter sur le bureau, exporter. Donc concrètement, NX va condenser une heure de vidéo en une minute. Il fait le travail tout seul comme un grand. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir fournir le fichier très rapidement,
c'est juste pour de la compréhension, pour du situationnel, hein, c'est pour voir un petit peu ce qui se passe, c'est pas pour la reco d'une personne particulière. Hop, export terminé. Il est juste ici, mon export. Mince. Bon, je l'ai ouvert là, c'est pas grave. Et là, j'ai mon export qui a été fait. Donc, j'ai en une minute, il va me passer une heure. Vous avez vu, vous avez peut-être pas vu, mais j'ai juste le fichier MKV, je l'ai juste fait glisser dans NX et je l'ouvre dans NX. Hein, à nouveau, je n'ai pas besoin d'un logiciel tiers, je pense que j'aurais pu. Voilà. Donc là, j'ai en accéléré les gens qui se sont présentés. Et ça, c'est extrêmement rapide et c'est exploité concrètement par le CSU. On va accélérer un peu pour voir la fin. Ça devrait s'activer un peu à 18h. Bon ben non, tout le monde était déjà parti. Voilà. On voit les gens qui arrivent, on voit les départs. Donc tout ça en avance rapide, en accéléré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction rapide review. Dans le même ordre, vous avez un onglet extrêmement intéressant. C'est la possibilité de faire une recherche d'aperçu. Vous faites ça, recherche d'aperçu. Donc ça, c'est assez marrant. Ça vous permet par exemple de voir. Vous sélectionnez, donc là j'ai sélectionné une heure, il me redécoupe une heure en plusieurs vignettes. Ça me permet, par exemple, je veux voir à quel moment ce véhicule bleu est arrivé. Ben là, vous avez directement l'aperçu sur X vignettes. Et si vous voulez lancer la relecture, donc on se doute que le véhicule il est arrivé ben, entre là et là, j'ai juste à double-cliquer ici. Et ça va me relancer la relecture à ce moment précis. Voilà. C'est extrêmement rapide. Ça, c'est parfait pour voir à quel moment, par exemple, j'ai eu un dépôt sauvage. Là, j'ai pris une strate d'une heure, mais vous pouvez prendre 12 heures. Et à ce moment-là, sur 12 heures, on va voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, là, on voit bien le véhicule qui arrive. Donc, grâce à ma solution, au lieu de me faire une heure de relecture pour trouver à quel moment j'ai eu la voiture, hop, clic droit, recherche d'aperçu et je l'ai. Si je le fais sur une journée, forcément, j'aurai des résultats encore plus conséquents. Hop. Donc le 18, on va dire, hop, il est où le 18, mince, pardon. Bon, on va se mettre sur le 17 de 9h à 21h, clic droit, recherche d'aperçu, et là j'ai mes aperçus. Alors forcément, les strates sont bien plus larges, mais quand même, ça me permet de voir à quel moment j'ai eu des véhicules ou pas directement sur mon élément. Donc ça, c'est top, c'est exploité vraiment au quotidien par les opérateurs. Plutôt que de rechercher, clic droit, recherche d'aperçu, boum, c'est là. Je double-clique et je lance ma relecture à ce moment précis. Je peux continuer à garder les vignettes et là, je suis bien en relecture sur cette caméra-là. Voilà. Et une fois que j'ai trouvé ce qui m'intéresse, bah, à nouveau, hein, je fais mon clic droit et là, je peux exporter ma vidéo au format qui va bien, propriétaire, avec le player en exé. Donc ça, c'est top. Dernière chose, un peu du même acabit qui est plutôt sympa, c'est la fonction de vidéo recording. En fait, quand il y a un opérateur qui veut montrer un événement particulier au responsable CSU, mais qu'il n'est pas dispo, il ne peut pas lui montrer sur du live, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va faire un screenshot vidéo de l'ensemble de son écran. NX le permet, c'est pas un logiciel tiers, je suis toujours intégré dedans. Il va faire un screenshot vidéo et il va pouvoir l'envoyer ou le montrer un peu plus tard ou le garder sur son poste. On va voir comment ça marche. Par exemple, hop, allez, c'est parti. 12h55, très bien. Vous allez ici, vous avez vu que tout est en français, bien sûr. Ça a beau être américain, c'est extrêmement bien traduit. Démarrer l'enregistrement d'écran. Enregistrement en 3, 2, 1. Bonjour chef, je voulais vous montrer cette vidéo, vous allez voir. Donc ici, hop, vous voyez à un moment, il y a un véhicule qui est arrivé par ici. C'était un véhicule jaune, vous voyez, il s'est garé en marche arrière. C'était un véhicule DHL. Là, on le voit arriver aussi. Et là, on a quelqu'un, on a un piéton qui est passé. Je pense qu'il est assez louche, ça serait intéressant de regarder. Vous voyez peut-être avec monsieur Pierre sur la caméra 26. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ok. Très bien, et j'arrête. Je l'enregistre où ? Sur mon bureau. Donc là, j'ai un fichier, je vais vous le basculer. Ah, il m'a fait un screenshot, mince. Ah, j'ai pas screenshoté le bon écran. Bon, pas grave, il a fallu que je le mette sur ce poste-là. Mais en gros,
Ça vous permet de retrouver toute la vidéo. Vous êtes de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Comme j'ai un double écran, j'ai deux écrans NX, donc il a enregistré le deuxième écran. C'est pas grave. En gros, ça vous permet de faire un petit export vidéo, de le conserver, l'audio, la vidéo, le mouvement de la souris sont enregistrés pour que l'opérateur puisse montrer exactement tout ce qu'il a pu faire dessus. Voilà ce qui a été mis en place sur ce CSU, donc les différents aspects. La borne escamotable, le multiserveur, la borne nomade, l'ouverture de tickets en ligne, le rapid review et le video recording. Et l'utilisation au quotidien, bien sûr. Donc, voilà sur la présentation concrète que je souhaitais vous faire. L'idée, voilà, c'était de vous donner des éléments extrêmement concrets. Pour revenir sur NX, sur un aspect qui est extrêmement important, NX est simple à déployer, on l'a vu. Vous pourrez le tester gratuitement, vous pouvez le télécharger, il n'y a pas d'engagement. Vous aurez 4 licences actives pendant 30 jours, ça vous permettra de faire tout ce que vous voulez. Donc, il est plutôt simple à déployer. À exploiter, sincèrement, c'est un régal. Jusqu'à présent, on touche du bois, tous les opérateurs à qui on a pu le présenter ont vraiment encensé le produit. Ils ont dit, mais voilà, en termes d'utilisation, c'est un régal. Le produit est extrêmement simple à chiffrer. Vous avez aujourd'hui des VMS sur le marché qui sont réputés, mais qui ont un problème, c'est qu'on est sur des systèmes qui sont limite, il faut être formé pour pouvoir les chiffrer, pour pouvoir appréhender l'environnement. Chez NX, je vais vous donner les éléments, ça va être extrêmement simple. J'ai 3 licences. J'ai une licence par caméra. Vous avez 100 caméras, vous achetez 100 licences. C'est simple. J'ai un seul niveau de licence. Je n'ai pas de pro, de enterprise, de machin et compagnie. Tout est inclus. Le failover. Si vous mettez vos 100 licences sur 100 serveurs, ça ne vous coûte pas un euro de plus. Si vous mettez du failover, ça ne vous coûte pas un euro de plus. Si vous avez 50 clients, ça ne vous coûte pas un euro de plus. Il n'y a aucun frais caché. Vous avez 0% de SMA, c'est-à-dire que les mises à jour sont gratuites et illimitées à vie. Le produit est fonctionnel, il continue à vivre. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est que si l'utilisateur veut dépenser de l'argent dans son système de sûreté ou si l'intégrateur veut vendre une solution de sûreté à son client, que cet argent continue à dépenser, c'est logique, mais qu'il ne soit pas dépensé dans une mise à jour qui est gratuite chez NX, qu'il soit dépensé peut-être dans l'acquisition d'un système d'analytique, qu'il soit dépensé dans la mise en place de scénarios intéressants, qu'il soit dépensé dans des choses qui soient judicieuses et non pas dans un SMA qui a un coût qui est prohibitif chez énormément de fabricants de VMS. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Il n'y a pas de frais cachés. Les deux autres licences, simplement, on a une licence pour les boîtiers Ademtec, Axis, entrée-sortie, les boîtiers I.O. Le niveau de prix est très abordable aussi. Et on a une dernière licence qui est pour le Video Wall. On a une licence Video Wall pour 2 écrans. Ça veut dire que si vous avez 10 écrans à déployer, il faudra simplement prévoir 5 licences Video Wall en plus de vos 100 licences caméra. Et en plus, si vous avez par exemple 10 boîtiers Ademtec, 10 licences Ademtec. Et c'est terminé, il n'y a aucun autre frais caché à prévoir. Pas de SMA, pas de failover, pas de choses comme ça. Tout est intégré d'office. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça vous permet d'être percutant commercialement. Ça vous permet, pas forcément de vendre moins cher, mais de vendre pour le même prix quelque chose de beaucoup mieux ficelé, de vendre autre chose autour. Et ça vous permet surtout de chiffrer simplement. Vous avez un projet, voilà, 100 caméras, 10 écrans, 10 boîtiers Ademtec. Le chiffrage, vous pouvez même le faire de tête. Je passe sur la partie soft. Hein. Après, il y a le hardware, il y a la config, il y a des choses à voir. Mais voilà, et ça, c'est extrêmement pertinent sur le marché aujourd'hui parce qu'on a des intégrateurs, on a des utilisateurs qui sont perdus
dans les niveaux, dans les systèmes de fonctionnement des VMS major actuels. Voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. En termes d'utilisation, je pense qu'on a pu voir voilà, certains éléments. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. Non, je ne vous ai pas montré l'utilisation de mes pros, mais je suis sur quelque chose. Donc, ça, c'est mon Raspberry. J'ai 2 millions, 4 millions, 6 millions. Là, j'ai 8 millions de pixels qui tournent sur mon Raspberry. Donc, c'est la machine la plus légère du marché. Il n'y a pas plus léger. Ma machine, mon CPU, il est à peine à 10%. Et je suis sur de l'enregistrement en flux principal. Donc, c'est pour montrer à quel point il est léger. Si je vais sur mon i7, là, ma grosse machine, surveiller. Donc là, mon CPU, je suis à 4%, entre 4 et 7% de mon CPU pour gérer une trentaine de caméras, dont une majorité de 8 millions, enfin de 12 millions, de 8 millions et de 5 millions. Donc ma machine, mes machines, elles sont largement surdimensionnées par rapport à ça. Voilà, ça c'est un élément qui est assez intéressant. Si vous voulez fusionner des serveurs, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à cliquer unifier système. Vous ajoutez l'adresse IP du troisième serveur que vous venez d'installer et automatiquement, il va remonter parmi les autres. Et en fait, vous allez manager les trois serveurs avec une seule page. Voilà, un point important, c'est ce que je vous expliquais, c'est que à aucun moment, je vous ai montré une page autre que NX aujourd'hui. Depuis NX, on peut tout faire. On peut faire de l'ouverture de tickets, on peut faire du tutoriel, on peut faire de la config simple, de la config avancée. On peut faire des choses extrêmement pertinentes. On peut régler mes caméras. Mon mode d'enregistrement, il est réglable ici. Je gère du double flux, c'est extrêmement important. Vous avez un gros VMS mondial qui ne fait pas le double flux. C'est une aberration aujourd'hui. Ça veut dire que ma détection et ma recherche dans l'image, elle est faite sur le deuxième flux. C'est pour ça que je le fais aussi vite, mais elle est tout à fait pertinente. Mon enregistrement, je ne sais pas si j'en ai ici, je trouve qu'ils sont majoritairement en flux principal. Mon enregistrement, il peut se faire en flux dégradé quand je n'ai pas de mouvement. Pour permettre au client d'avoir une visu en permanence, de l'enregistrer en permanence, mais de ne pas trop taper dans la bande passante. Ma détection de mouvement, elle est réglable, on ne l'a même pas réglée parce qu'au final, par défaut, elle est plutôt bien. Mais je peux avoir une sensibilité différente suivant la zone. Et ça, ça se règle très simplement. Voilà, là, j'ai une sensibilité à 5, à 3 et à 6. Voilà, la gestion des fichiers est plutôt bien faite. J'ai un outil qui est assez intéressant, c'est ça, c'est la possibilité d'extrapoler des vues. Vous avez une vue qui est extrêmement importante, style la plaque d'immatriculation. Vous extrapolez une vue et vous la gardez, elle est intégrée dans votre élément. Vous pouvez la déplacer, vous allez voir le piéton qui passe ici, vous pouvez le voir, tout en gardant le live. Voilà. Ce que je vous propose, il est 13h05, je pense qu'on a tous notre estomac qui nous rappelle à l'ordre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut y répondre avec grand plaisir. James, in English, I think we almost finished. If people got some questions, they can ask. With written question, we can reply. Yeah. There's a so Mark's been asking a lot of questions. If you want to reply to them, as they're in French. Yeah, sorry. So I can see we got a lot of questions. I got 4 questions over there. Donc, la liste de compatibilité. Donc, vous l'avez directement sur le site de NX. On est compatible avec 99% des produits du marché. So, we have compatibility list and you can find it directly on the website. Or you can just search. Vous pouvez juste chercher compatibility list NX Witness. Voilà, vous cliquez ici. Un peu comme on a sur les autres VMS, hein, vous avez la possibilité de retrouver les éléments. Hop, on va ouvrir la page. Donc, vous avez les recherches par type de produit. Donc, on travaille sur de l'ONVIF.
majoritairement, mais il y a aussi des drivers spécifiques, ce qui signifie qu'on a des... Je peux vous montrer sur certaines caméras, Array Camera, vous avez des analytics, par exemple, événements analytiques, ou si vous avez une caméra où on est sur un driver spécifique, on va récupérer beaucoup plus d'éléments que le profil on-vif. On a du Bosch, on a de l'UniView, bien sûr, on a de l'Axis, on a ce genre de choses, on a de la Chica, des choses où l'intégration s'est faite plus loin que le profil on-vif. Donc ici, voilà, vous dites, ben moi, je veux voir, allez hop, Axis. Voilà, donc là, j'ai 15 pages de 30 refs chacune. Donc ce qui fait ouais, 400 produits, vous avez 400 produits Axis compatibles nativement sur NX et vous pouvez vérifier leur compatibilité sur pas mal d'aspects directement ici. Voilà, vous pouvez avoir des flux si vous cherchez, par exemple, moi je veux par exemple, est-ce que j'ai des multicapteurs Axis? Voilà, ici vous avez les multicapteurs Axis qui sont compatibles avec NX. Et sur lesquels j'aurai je sais pas, l'audio qui serait géré. Voilà, bon, j'en ai plus, ou l'audio, voilà, l'audio directionnel simple. Voilà, je le récupère ici. Plus détection de mouvement, voilà. Ça vous permet de faire des filtres assez propres et assez bien faits. Maintenance et support. Donc la maintenance et le support sont entièrement gratuits. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est qu'NX, de par une stabilité et une interface assez simple. J'ai plus les membres, je les retrouverai. De mémoire, ils ont plusieurs millions de caméras qui tournent, mais ils sont, je crois qu'ils ont à peine une dizaine de tickets ouverts par jour. Donc, c'est extrêmement peu. Donc, voilà, la maintenance, le système, les mises à jour, vous pouvez les voir directement ici. Vous avez des mises à jour soit manuelles, soit vous pouvez interroger leur serveur pour voir s'il y a des nouvelles versions. Donc moi, je vois que je suis sur la dernière version sur tous mes serveurs. Voilà, si vous avez, if you got any more questions, si vous avez d'autres questions, on essaiera de vous envoyer un lien, les personnes qui étaient présentes, pour télécharger les supports, y compris les supports que j'ai survolés, hein, je suis désolé, mais le temps nous y obligeait un petit peu. Pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Ok. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de vous libérer. Sachez, voilà, à nouveau, deux choses. Si vous voulez tester le produit, vous avez trois solutions. La première, on peut vous donner un accès sur notre système. On l'a déjà fait pour pas mal de clients, alors avec peut-être des droits restreints, à vous de nous faire savoir. Donc, on peut vous donner un accès facilement. Vous pourrez gérer les 30 caméras que vous avez vues, l'analytique, les signés, tout ça. Donc ça, bien sûr, c'est gratuit. Ça vous engage en rien. Vous nous passez un mail. On vous enverra les éléments. C'est extrêmement simple grâce au système de cloud. Vous avez juste, en fait, à créer un compte sur le site d'Anix. Vous nous donnez l'adresse mail avec laquelle vous avez créé et terminé. Vous n'avez rien d'autre à faire. Deuxième chose, vous pouvez télécharger gratuitement. C'est important, sur le site de NX, le serveur, le client, pour le tester chez vous sur 4 licences. C'est gratuit, à nouveau, ça ne vous engage en rien, donc vous pourrez tester le produit assez facilement pendant 30 jours. Dernière chose, si vous voulez tester dans vos locaux de manière un peu plus poussée, si vous voulez faire un POC auprès d'un client, nous, on est ouvert, on a des serveurs qui sont préparés chez nous, qu'on peut vous prêter, avec des licences préchargées, donc on peut vous faire passer ce serveur préchargé pour que vous puissiez faire un POC assez rapidement chez vous, chez le client, et pouvoir même montrer un peu les éléments de différenciation du produit. Voilà. Merci. Thank you very much. On reste en contact. Let's keep in touch. James, if you want to say something before we stop. Yeah, thanks everybody for joining, and thanks to Guillaume and Iker for hosting the webinar for us. As you can see, they really know the platform, maybe better than me now, but thanks for everyone for joining. And if anyone's got any questions or wants to email us, you can email either us at support@networkoptics or jcox@networkoptics, or directly to Iker and Guillaume, and they'll answer your questions. And,
Yeah, thanks. Thanks a lot. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.